Hello tout le monde, c'est Jessie, j'espère que vous allez bien pour passer à Super Doc. Aujourd'hui, c'est ton premier vidéo sur du bus simulator. Du coup, on va faire une ligne, on va faire ligne 26 qui rejoint la gare routière, qui s'arrête à Gare Centrale, qui va s'arrêter à Raffinerie de Sucre, qui ensuite après, non, qui va s'arrêter ici, après qui s'arrête à Raffinerie, après qui repart ici et qui repart là, et se termine ici. Donc du coup, on va faire ça de nuit, parce qu'on n'a jamais fait de ça de nuit. On va changer de bus parce que j'aime bien prendre le bah écoutez, on va prendre l'Urban, ouais, parce que je l'ai pris beaucoup de fois, mais en même temps c'est le meilleur bus. Alors du coup c'est parti, on va préparer le bus. Alors moi j'aime pas conduire de nuit, mais parfois ça peut être cool. Voilà, c'est parti. On va commencer ce petit trajet. On s'y a pas besoin de regarder s'il y a jamais de voiture qui passe. Alors, plateforme 3. Voilà, du coup, on est à la première station. On attend un peu histoire de... Bref, on va partir parce que sinon on va rester 10 ans en station. Personne. Voilà, donc cette ligne, que j'ai créée il y a pas longtemps là, juste avant, parce que bon, j'en avais marre à chaque fois de faire des lignes qui passaient par entre les villes et tout. Fallait un peu changer ça, un peu des villes qui passent par par d'autres endroits. Et du coup voilà, du coup on fait tranquillement la ligne. La voiture elle est un peu lente là. Pourquoi on met des gros coups de frein comme ça? Oh, sur ce jeu, je pense que j'aime pas, c'est qu'il y a des véhicules, ils mettent des... comme ça, ils mettent des gros coups de frein. Mais bon, on s'y habitue. Du coup on est bientôt arrivé à notre premier arrêt. En vrai, conduire de nuit, je trouve c'est cool quand même. Voilà, voilà. Voilà. Et voilà, voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi il n'y a plus d'indications pour voilà, la suite de ma route. Voilà. Et maintenant on attend. C'est long les feux. Oh là là. C'est vrai que pour conduire des bus, faut être patient. Faut être patient. Waouh, faut être patient.
Bon, j'avoue, je respecte pas trop les limitations de vitesse, non, ici c'est limité à... Je dis pas combien parce que... La vitesse au jour, c'est un retrait de... Non, non, ça c'est pas un retrait de permis, mais... Enfin, quoi que si, parce que je conduis avec des gens à l'intérieur. Donc ça peut être susceptible d'un retrait de permis. Mais bon, je trouve que c'est cool, hein, de conduire. De conduire et de faire des arrêts qui sont assez espacés. Comme ça me laisse le temps un peu de profiter de la conduite. Le feu, faut que je l'ai ouvert. Et je l'ai ouvert. Bon, c'est vrai que la nuit, c'est pas que c'est chaud à conduire, mais c'est que... On voit un peu bizarre. En même temps, il fait nuit, je viens de dire. Mais voilà. On arrive à notre deuxième station. Deuxième? Non, troisième. Parce que la première c'était Gare routière centrale. Voilà, c'est tranquille, hein. Ce qui est bien sur ce jeu aussi, c'est que dès que tu mets le clignotant, les voitures derrière te laissent passer. Ça, c'est une chose que j'aime bien. Bon, le bus là, il a un peu du mal à accélérer, je sais pas, elle a quoi, hein. Il manque un peu de patate, hein. Voilà, là, il y va. Et là, on est arrivé à la prochaine station. On va conduire la nuit, c'est calme. C'est calme et c'est cool. Ah mince, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Mince, je crois que j'ai fait une petite bêtise. Parce que bon, c'est pas que j'aime pas conduire, mais faire tout un tour alors que je peux passer directement par là. Voilà, et ensuite après là je crois qu'il me reste deux stations à faire encore. C'est très calme, il n'y a presque pas de voiture. Les gens, désolé, j'ai coupé le micro. Là, j'ai une erreur parce que j'ai mis trop longtemps clignotant, mais c'est n'importe quoi ça. Donc, je fais même plus attention. Parce que pourtant, je l'ai pas mis il y a si longtemps que ça. Hein. Voilà.
Je me gare tout bien. Et là, prochain arrêt, c'est le terminus. Après, on aura fini. Donc là, c'était vraiment une petite ligne. Histoire de se décontracter. Hein. Bon, je sais que je respecte pas trop les panneaux de signalisation, comme les panneaux cédés le passage, mais bon, si je les respectais tous, je pense qu'on y serait encore demain. Voilà. On arrive tranquillement au terminus. Et le dépôt de bus, il est juste là. J'ai 9000 devant moi. Ah ouais, quand même. C'est vrai que j'ai fait 9000 d'avance. En même temps, c'est pas pour dire, mais j'ai tartiné. Je sais pas que je roule un petit peu vite, mais. Voilà, allez, ferme-toi. Voilà. Et voilà, le terminus il est là. Allez hop, on va laisser peser. Comme ça, on termine une petite ligne. Voilà, on ferme tout. Tac. Et voilà. Tout est bon. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Du coup, on se dit à la prochaine et bye les gens.